Mesdames, messieurs, bonsoir. Où en sommes-nous avec le plan de riposte éducation élaboré par les ministères sectoriels pour tenter d'atténuer les effets du Covid-19 sur le système éducatif? Que pensent les acteurs de l'éducation des cours à distance annoncés par le ministère des enseignements primaires et secondaires, le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'enseignement supérieur? Que pensent donc ces acteurs? Quelle est la situation des enfants vulnérables dans les centres d'accueil dans ce contexte de Covid-19 où le confinement est de rigueur? Et quelles sont les actions que les différents acteurs de l'éducation, responsables syndicaux, les directeurs régionaux, les inspecteurs et les conseils régionaux de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, quelles sont les actions qu'ils sont en train de prendre pour continuer d'accompagner la sensibilisation nécessaire sur les mesures barrières? Voilà les sujets que nous allons aborder au cours de cette émission et on terminera bien sûr par une épreuve de dictée question en classe de CM2. Et donc, préparez-vous avec vos calepins pour faire la dictée avec nos enfants. Débat thématique, c'est dans un instant. Depuis que le gouvernement a fermé les institutions d'éducation, les ministères sectoriels, nous l'avons dit dans l'émission précédente, les ministères sectoriels se sont retrouvés pour élaborer un document technique pour solliciter l'appui financier des partenaires en vue d'atténuer les effets du Covid-19 sur le système éducatif. Et dans l'émission précédente, nous avons dit qu'il y a plusieurs axes dans ce document, mais l'axe qui nous préoccupe au cours de cette émission, eh bien, ce sont les cours à distance. Et donc, ce document, j'allais dire, a reçu déjà l'assentiment de presque tous les partenaires et nous espérons que les financements vont suivre pour que le contenu de ce plan d'action riposte éducation, eh bien, sera mis en œuvre pour véritablement aider le système éducatif à ne pas subir trop les effets du Covid-19. Voilà l'information que nous pouvons vous apporter pour l'instant. Dans l'émission précédente, le directeur de cabinet du ministre des enseignements primaires et secondaires est venu au nom des ministères sectoriels annoncer que, en tout cas expliquer, puisque c'est le ministre qui avait annoncé, mais lui il est venu rentrer dans les détails pour expliquer à l'opinion nationale la faisabilité des cours à distance et les catégories d'enfants qui sont dans un premier temps concernés. Ça veut dire que les autres élèves ne sont pas oubliés, puisqu'on veut commencer par les élèves des classes d'examen et ensuite les élèves des classes de passage aussi seront pris en compte dans ce dispositif. Donc, dès l'annonce donc, de cette information très importante et attendue des acteurs, eh bien, nous, au niveau de l'émission Débat Éducation, nous avons tendu le micro aux acteurs de terrain pour nous dire ce qu'ils pensent. Comment ils pensent accompagner cette initiative de l'État, accompagner cette décision pour que l'information arrive dans tous les coins et recoins. Nous allons dans un premier temps écouter le directeur régional de l'éducation de la CARA. Nous précisons que dans les prochains numéros de l'émission, on aura aussi les échos d'autres directeurs régionaux parce que vous savez que dans le système éducatif, il y a 6 directeurs régionaux de l'éducation, en tout cas un directeur par région. Et voilà. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons écouter le directeur régional de l'éducation de la CARA qui nous dit ce qu'il est en train de faire pour que l'information sur les cours à distance qui ne tarderont pas à démarrer sur les radios communautaires, sur la télévision togolaise, les autres télés et les applications, eh bien, cela ne va pas tarder à arriver. Eh bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire en tant que patron de la région, n'est-ce pas, pour que l'information arrive dans les coins et recoins? Nous écoutons le directeur régional de l'éducation de la CARA. La pandémie a causé la suspension des cours, donc la fermeture des établissements scolaires. Et vous le savez, tout comme moi, que le ministère envisage
un téléenseignement, donc des cours à distance, en utilisant les médias, la télévision, la radio et les applications web. Nous avons mis sur pied un site web fonctionnel à partir de la semaine passée seulement, qui comporte un forum où les enseignants viennent déposer des cours, des synthèses de cours ou des exercices ou des TD que les élèves qui ont accès à l'Internet pourront télécharger ou même traiter et obtenir la correction. L'intérêt du site, c'est que les élèves qui ont eu à écouter les cours à distance, soit à la radio, soit à la télévision, et qui ont des questions à poser, pourront maintenant poser ces questions-là aux professeurs disciplinaires sur le site. Et évidemment, nous savons que cela ne peut pas toucher tous les élèves. Mais nous savons également que les élèves qui ont accès à l'Internet, qui sont aujourd'hui en ville, ces élèves-là viennent pour la plupart des campagnes. Donc, ils pourront retourner chez eux, mutualiser avec leurs collègues élèves des autres milieux reculés. Mais bien évidemment, il y a eu également des émissions radio qui ont été faites et qui passent. Donc, nous utilisons le canal de la radio, nous utilisons le canal de la télévision et maintenant, nous utilisons le canal du site web. Nous allons, cette semaine déjà, passer un communiqué radio pour donner l'adresse du site aux enseignants et aux élèves parce que ce n'est pas tout le monde qui est pour le moment au courant. Alors, nous restons toujours dans la région de la CAA. Le président du conseil régional de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, parce que vous savez que la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous est une fêtière qui regroupe les syndicats d'enseignants, les associations de parents d'élèves, les organisations de jeunes, de femmes, les réseaux des médias et les OSC, organisations de la société civile qui travaillent sur les questions transversales de l'éducation. Quand on parle de questions transversales de l'éducation, c'est les problèmes, par exemple, de grossesse précoce, par exemple, les questions de violence, par exemple, les questions de protection, par exemple, etc. etc. Alors, la coalition a des représentations, des cellules qui servent de relais, n'est-ce pas, dans les régions pour que toutes les actions de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation puissent être ventilées et qu'on puisse avoir les retours aussi de terrain. Alors, pour cette émission, eh bien, nous allons écouter les initiatives du Conseil régional de la CARA par la voix de son président. Nous menons déjà des activités de sensibilisation avec les communautés à la base, nous apprenant depuis les milieux enclavés. Et on avait déjà des canaux par lesquels nous arrivions à mener ces activités. Aujourd'hui, que ce malheur de Covid-19 est arrivé, ça n'a fait que nous arranger, puisqu'on avait déjà des tuyaux par lesquels nous avons l'habitude de travailler. Donc, un des canaux les plus importants que nous utilisons bien avant l'arrivée du coronavirus, c'est les conseils préfectoraux que nous avons installé au niveau de nos préfectures. Nous, on est au niveau régional. Au niveau préfecture, actuellement, dans les 7 préfectures, j'ai des relais qui sont des conseils qu'on appelle conseil préfectoral de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. Elle est composée des chefs d'inspection, des conseils pédagogiques, des chefs d'établissement, des enseignants et des parents d'élèves. Donc, aujourd'hui, pourquoi les parents d'élèves? Vous voyez que les parents d'élèves, c'est de la maison jusqu'à la préfecture, on les retrouve. Donc voilà pourquoi nous avons déjà mis un de ces canaux-là pour pouvoir véhiculer nos messages avant l'arrivée du corona. Un aussi de nos canaux, c'est les autres associations ou ONG membres, partenaires aussi qui œuvrent en éducation au niveau de la région. Le partenariat, la collaboration entre nous nous permet aussi de changer sur comment faire passer nos messages et à travers ça, les mesures barrières ont été facilement passées par ces moyens-là. Nous avons aussi les OSC membres qui se retrouvent dans les villages, dans les cantons, dans les préfectures aussi de la région. Donc c'est par ces canaux-là que nous arrivons à véhiculer nos messages bien avant l'arrivée du coronavirus au Togo. Et je crois que c'est une chose qui est déjà faite. Et je peux dire, pour ne pas exagérer, qu'au niveau de la région de la CARA,
pratiquement nos apprenants sont très informés. Maintenant, il y a une décision que le ministère intersectoriel vient de prendre. Et cette décision, nous, au niveau de la coalition, nous saluons cela. Et cette décision vient soulager nos apprenants, surtout nos apprenants en milieu enclavé. Vous voyez aujourd'hui, les enfants, depuis lors, c'est bien que quand on leur demandait de respecter les mesures barrières, au même moment, on leur demande aussi de ne pas oublier leurs cahiers, de ne pas oublier leurs cours dans les cahiers. Mais aujourd'hui que le gouvernement est en train de faire quelque chose pour les accompagner, surtout nos classes d'examen, vraiment, ça ne vient que compléter ce que nous avons déjà fait sur le terrain. Et nous supposons que les enfants qui sont déjà avertis, ils n'auront pas de problème pour suivre ces cours avec les radios, puisque nous parlons des milieux enclavés. Quant aux zones urbaines, il n'y a pas de problème, parce qu'un petit enfant de ce peu peut te manier facilement un téléphone, rentrer chez, faire des recherches avec les sites web, les télévisions, tout. Nous, ça ne nous préoccupe pas tellement, mais c'est nos enfants qui sont dans des milieux enclavés, c'est là qu'il y a problème. Et aujourd'hui, tel que nous l'avons dit, les parents, c'est l'occasion pour eux de doter, de faire un effort pour doter au moins dans une maison, dans chaque famille, qui ait un poste radio. Bien sûr, une chose est d'avoir un poste radio à la maison. L'autre chose aussi, c'est de comment exploiter cette radio au moment où ces cours vont commencer. Il ne faut pas laisser les enfants, oui, allez-y, on a dit qu'on est en train de passer le cours à la radio, allez écouter. Ce n'est pas comme ça. C'est les parents eux-mêmes qui doivent s'approprier cet outil. Ils doivent être les premiers acteurs, ils doivent être avec les enfants pour les amener à écouter, poser des questions. Vous voyez, c'est des cours virtuels en réalité, ce n'est pas qu'ils seront en face de l'enseignant qui est en train de passer le cours. Maintenant, l'enfant, il faudrait que chaque enfant a sa façon d'avoir sa préoccupation. Donc, quand il va demander directement à son parent. Et quand je dis parent, ce ne sont pas forcément papa et maman qui sont des parents géniteurs, hein. Et les frères étudiants qui sont rentrés actuellement au village, ils sont là, ils n'ont qu'à aider leurs petits frères à écouter ces cours à distance et alors participer à aider les enfants dans leurs difficultés. Allons à Niamtougou. Niamtougou, c'est une des préfectures de la région de la Kara où le chef d'inspection du secondaire aussi nous dit ce qu'il est en train de faire pour que l'information venant de sa hiérarchie puisse être relayée jusqu'à l'élève qui est dans le coin le plus reculé. Nous écoutons l'inspecteur Koussou, le chef d'inspection du secondaire. Le secondaire, c'est ce qui gère le collège et le lycée. On va l'écouter. Actuellement, nous avons adopté le télétravail comme l'autre ministère l'a recommandé. Et nous l'avons fait à travers les plateformes WhatsApp sur lesquelles nous entretenons avec les chefs d'établissement pour relayer les instructions venant de la hiérarchie. Et en ce qui nous concerne, c'est que nous avons dit au chef d'établissement, dans un premier temps, de veiller effectivement à la fermeture des classes. Et effectivement, après vérification, dans notre circonscription pédagogique, dans les zones les plus reculées, toutes les salles de classe sont fermées. Et non seulement les salles de classe fermées, mais ils doivent veiller plutôt à ce que les élèves ne viennent pas jouer dans les cours de l'établissement. Et de temps en temps, nous veillons à cela et tout se passe très bien à notre niveau. Et l'un des défis aussi majeurs, c'est que dans les zones reculées, les élèves sont tentés de partir en aventure parce qu'il y a un temps mort du côté scolaire. Ce que nous avons dit là, pour que les élèves puissent rester sur place, c'est que nous avons donné cette instruction à nos chefs d'établissement de faire du porte-à-porte dans ces zones-là, qui sont généralement de petites communautés, pour que les parents puissent maintenir leurs enfants, parce que tout compte fait, toutes les villes sont bouclées et toutes les frontières sont fermées. Si les élèves tentaient de partir en aventure, ils ne pourront pas aller là où ils veulent. Voilà un peu ce que nous avons fait. Quant à ce qui concerne les cours en ligne, que, disons, pas les cours en ligne, mais les cours à distance que le gouvernement a essayé de mettre en œuvre, dans un premier temps, nous avons communiqué aux acteurs du terrain, les premiers, c'est-à-dire les chefs d'établissement et les enseignants, les tranches horaires au cours desquelles les émissions-là vont passer à la télévision et à la radio. Quitte à eux de relayer les informations et toujours à
à travers le porte-à-porte parce que les établissements sont fermés à nos jours. Et une des particularités de notre région, c'est que la DRE CARA a créé une plateforme web qui permet de faire des cours en ligne. Et ça, ça ne pose pas trop de problèmes pour les élèves qui sont dans les zones urbaines. À eux, l'adresse électronique est communiquée et ils versent leurs questions sur cette plateforme web. D'une thématique à une autre, alors nous avons eu écho de ce que le ministère est en train de faire pour que les ressources soient disponibles et rendre opérationnel le plan d'action Riposte. Nous venons d'écouter aussi les différents acteurs de l'éducation pour accompagner cette initiative qui ne tardera pas à commencer. Je veux parler des cours à distance. Alors maintenant, nous allons parler maintenant des cas des enfants vulnérables. Les enfants vulnérables, quand on parle d'enfants vulnérables, vous allez l'écouter tout à l'heure, c'est quelle catégorie d'enfants qu'on appelle enfants vulnérables? Et quand ils sont vulnérables, il y a des centres d'accueil où ces enfants transitent pour un temps avant de les remettre dans des familles d'accueil. Alors, on a interviewé un des responsables d'un centre d'accueil basé à Sokodé, c'est Creusé Togo. Alors, il va nous dire... C'est quoi, quand on dit enfant vulnérable, quelles sont les catégories que lui a dans son centre là-bas et dans quelles conditions de confinement ces enfants vivent et qu'est-ce qui est en train de se faire par cette ONG et les autres ONG qui travaillent sur les questions de protection? Eh bien, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que les enfants soient en sécurité et protégés contre le Covid-19? Alors, on écoute M. Bruno. Les enfants dissorciés, les enfants en conflit avec la loi, les enfants qui vivent dans la rue parce que les relations familiales sont disloquées pour diverses causes ou diverses raisons, et d'autres enfants encore. Et toutes ces catégories d'enfants ou ces situations d'enfants, compte tenu des troubles au sein des familles, l'inadéquation des conditions pour leur réinsertion, il faut qu'on les stabilise ici au centre, régler les problèmes qui existent avec la famille, les tuteurs, les proches parents et la société avant de les réinsérer. C'est pourquoi ça constitue un centre de transit et de stabilisation. Une des mesures importantes à saluer, c'est la fermeture des écoles pour éviter la contamination. Je sais que c'est dur pour les acteurs de l'éducation, mais il le fallait. Il le fallait pour éviter le pire. Et le gouvernement n'est pas resté les mains croisées face à cette fermeture. Des stratégies, des mesures, des alternatives sont développées notamment par les télé-écoles, la stratégie télé-école et radio, internet, les cours en ligne, c'est salutaire. Même si il faut faire un plaidoyer pour que d'autres mesures puissent couvrir les enfants qui n'ont pas ces différents outils ou techniques pour pouvoir suivre les cours. Il faut qu'on réfléchisse, après un test de cette stratégie, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses et comment faut-il dégager des perspectives pour améliorer pour que aucun enfant ne soit exclu de ces mesures prises ou ces stratégies que développent les acteurs de l'éducation et l'État togolais. Vous savez très bien que dès le début de cette pandémie, le gouvernement a mis en place un plan national de riposte contre le Covid. Alors, en regardant très bien le contenu de ce plan, eh bien, certains acteurs comme les responsables qui gèrent les centres de vulnérabilité, d'accueil des enfants, ont regardé de très près et se sont rendus compte que les enfants vulnérables ne sont pas pris en compte. Or, s'ils ne sont pas pris en compte dans le plan de riposte, eh bien, les ressources aussi ne pourront pas arriver. Alors, c'était l'occasion pour le directeur de l'ONG Creusé de plaider en faveur de ses enfants auprès du gouvernement pour que le plan national Riposte, qui est budgétisé, eh bien, qu'une ligne, n'est-ce pas, puisse être consacrée à ces centres pour vraiment les soulager dans ce contexte où ils ne peuvent même pas bouger pour aller chercher les ressources pour ses enfants. Alors, nous allons écouter le mot de plaidoyer du responsable de l'ONG Creusé Togo qui a parlé en fait au nom de tous les centres de vulnérabilité qui existent sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Et les partenaires
qui nous soutenaient, vous convenez avec nous, sont principalement les Allemands. Le phénomène où, j'allais dire, la pandémie est vraiment à un pic important. Et du coup, le regard n'est plus totalement vers l'Afrique où les enfants, c'est faire face à cette pandémie à tous les niveaux. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel ou de soumettre des doléances à tous les partenaires au plan national ou toutes les bonnes volontés à nous venir en aide pendant cette crise sanitaire afin que les enfants qui sont mis à notre disposition pour l'accompagnement, la réinsertion, puissent continuer de bénéficier. Et la seconde doléance, c'est un plaidoyer que je fais à l'endroit du gouvernement, que dans toutes les mesures qui sont prises, il faut aussi que la protection de l'enfant soit une des considérations importantes, afin que, puisque l'enfant, c'est la relève de demain, il y a une crise sanitaire, je comprends bien, mais la protection de l'enfant doit aussi être la première considération dans les stratégies que développe le gouvernement. Je salue à sa juste valeur toutes les mesures prises par le gouvernement et pour ou en faveur des indigents, des vulnérables. Mais aucune mesure n'est prise pour permettre le fonctionnement des orphelinats, des centres d'accueil. Quel accompagnement? Peut-être que c'est en vue ou c'est en train d'être programmé. Et je souhaite vivement, si c'est programmé, que diligence soit faite pour que ces enfants, ces centres-là ou ces orphelinats-là ne soient pas asphyxiés par les impacts du Covid-19. Nous venons maintenant à la dernière thématique que nous avons annoncée, les mesures barrières contre le Covid. Nous savons que de jour en jour, les cas s'accroissent d'une préfecture à une autre. Et quand on fait la sommation, on se rend compte qu'au lieu que la courbe des cas actifs, des décès descende, cette courbe est ascendante. Et cela nous inquiète. Ça inquiète tous les Togolais de toute façon. Et nous avons, dans le cadre donc, de cette émission, approché ce que vous avez écouté au sujet des cours à distance, le directeur régional de l'éducation de la CARA, le représentant du conseil régional de la CARA, et le chef d'inspection pour voir qu'est-ce qui est en train de se faire pour que vraiment les informations importantes sur les mesures barrières puissent atteindre tous les enfants qui sont confinés à la maison, qui sont dans des milieux ruraux surtout, où ce n'est pas évident que l'information, quelle qu'elle soit, puisse leur parvenir. Alors, quelle est la stratégie, quel est le schéma, quel est le mécanisme qu'ils ont mis en place pour que vraiment ces informations puissent atteindre tous les acteurs de l'éducation? Nous allons écouter dans un premier temps le directeur régional de l'éducation de la CARA et ensuite le conseil régional de la CARA et le chef d'inspection. Si au niveau de la région de la CARA, en termes de sensibilisation, nous devons tout d'abord dire que nous relayons les mesures décidées par le gouvernement. Et donc, ces instructions que nous recevons, qui sont écrites, nous les transmettons jusqu'à la base, donc jusqu'aux établissements, en passant par les inspections et les chefs d'établissement. Ça, c'est le canal habituel. Mais en dehors de cela, nous avons une plateforme WhatsApp qui met ensemble les inspecteurs conseillers pédagogiques et le directeur régional et les chefs de division. Donc là également, nous donnons les instructions relatives à la mise en œuvre des instructions données par le ministère que nous avons reçu. Donc, et nous donnons nos instructions par le canal de notre plateforme et au niveau des inspections, eux aussi ils ont leur plateforme qui les relie aux chefs d'établissement et des chefs d'établissement aux enseignants. Ça, c'est ce que nous faisons souvent. Mais il faut également ajouter à cela les émissions radio que nous avons eu à animer sur toutes les radios de la région, enfin de CARA ici, Radio CARA, Radio Tabala et Radio Koza FM. C'est que nous avons multiplié les instructions relatives aux gestes barrières
suffisamment pour que les établissements puissent les afficher dans les environs de leur établissement, pour que tous les passants puissent lire et mettre en application ces gestes barrières. Au niveau de la région de l'Akara, pratiquement nos apprenants sont très informés sur cette maladie. Même un enfant du préscolaire, tu lui demandes, il va te donner les mesures barrières qu'il faut prendre pour éviter la propagation du coronavirus. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois que ce que nous avions prévu partager avec vous en termes d'informations sur le plan riposte éducation élaboré par les ministères sectoriels, ce qu'on avait concocté pour partager avec vous comme retour des dispositions prises sur le terrain par les acteurs de l'éducation, de la société civile, pour que l'information puisse atteindre tous les coins et recoins. Et ensuite, le cas des enfants vulnérables, eh bien, nous pensons avoir fait l'essentiel pour aujourd'hui. Nous promettons, en tout cas, revenir sur l'évolution de la situation au niveau de l'éducation, au niveau du ministère, au niveau des acteurs de terrain. Et comme nous l'avons promis, eh bien, si tout va bien, on va écouter les autres acteurs aussi des autres régions, la région des savanes, la région des plateaux maritimes et golfe. Sur ce, nous vous invitons donc à suivre après ma collègue Dodo qui va arriver tout à l'heure pour la rubrique Actu Éducation. Eh bien, après elle, eh bien, vous allez suivre une épreuve de dictée question avec les enfants du CM2. Alors, même si vous êtes parent, eh bien, essayez de faire la dictée avec votre enfant et on va voir combien de fautes vous allez faire. Nous espérons que vous allez faire moins de fautes, oui. Nous espérons vivement. C'est vrai, le ministère a annoncé que les cours à distance vont commencer, mais nous avons dit, nous, au niveau du débat éducation, on va revenir sur certaines émissions de dictée, de philo, etc., que nous avons déjà réalisées il y a quelques années. On va revenir là-dessus pour que le contact pédagogique, en tout cas, soit maintenu en attendant le démarrage effectif, n'est-ce pas, des cours à distance. Sur ce, moi, je vous dis au revoir et je vous remercie pour m'avoir suivi avec toute l'attention. Merci et à la prochaine. Les cours à distance vont bientôt démarrer pour favoriser la continuité pédagogique. La priorité est accordée aux élèves en classe d'examen. Les autorités, avec l'appui de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, CNTEPT, sont en train d'envisager les cours en ligne via des canaux comme la télévision, les radios, entre autres. Les différents acteurs ont également un rôle à jouer pour permettre à tous les élèves sans distinction de jouir de ces cours à distance. Dans la commune de Tong 1, les élèves handicapés auditifs bénéficient d'un accompagnement à travers des visites à domicile de certains enseignants spécialisés en langue de signes. D'autres actions sont en étude pour adapter les cours à distance aux élèves vulnérables. L'Association des enseignants unis du Togo, EUT, basée à Sokodé, apporte sa contribution dans la lutte contre le COVID-19 au Togo. Elle a distribué des gels désinfectants le 16 avril dernier à la direction régionale de l'éducation et aux trois inspections à Chaojo. Des cache-nez ont également été distribués aux membres de l'association. Le geste est apprécié par les deux inspections. Suivez dans un instant une séance de dictée questions avec les élèves candidats au CEPD et leurs enseignants. Chers élèves, à vos cahiers et écritoires pour faire la dictée. Et faites surtout moins de fautes. Afoda Nadia, j'ai 11 ans, je suis en classe de CM2A. Je lis beaucoup à la maison. J'ai souvent en dictée 18 sur 20.
J'ai un livre de dictée à la maison. Je n'ai pas un dictionnaire. Je m'appelle Asya Bolatisha. J'ai 9 ans. J'ai souvent 5 ou 1 en dictée. Je crois que c'est possible d'avoir 20 sur 20. En lisant le livre de lecture et les mots d'orthographe. Je m'appelle Maliki Aishatou. Je suis au CM2. D'habitude, j'ai de 5 à 8. Pour avoir 20 sur 20 en dictée, je dois lire beaucoup à la maison et appliquer les règles d'orthographe. En dictée, il y a souvent 9 et 5 sur 10. Mais ce que pour avoir des bonnes notes en dictée, c'est que je lis le livre de lecture à la maison et j'applique et je capte bien les règles orthographiques. J'ai les bandes dessinées à la maison, les livres de lecture, les livres de contes et le dictionnaire. Je me nomme Nampobat Sandra. Je suis en classe de CM2 et j'ai 9 ans. Souvent, mes notes en dictée sur 10 sont entre 4 et 7. Je capte les mots, les verbes et les adjectifs. J'aimerais être une infirmière. Je voulais devenir hôtesse de l'air. Mes notes en dictée, c'est 9 sur 10. Avant de commencer cette dictée, vous observez cette enveloppe-là. L'enveloppe-là, c'est dans cette enveloppe que se trouve la dictée que je vais vous faire tout de suite là. Elle est bien fermée. Je vais l'ouvrir et ensemble, nous allons voir ce qui est dedans. Le titre de la dictée, les femmes Massa. Dictée, les femmes Massa. Les femmes sont admirablement faites de points. Poitrine, sœur, turale, épaule, aux courbes très pures, longues jambes, aux fines chevilles, et leur peau possède un éclat magnifique que souligne les multiples colliers et bracelets de verroterie jaune et rouge. Mais la mode les contraint à s'introduire dans les lèvres des disques de bois ou de métal. 3 dans la lèvre supérieure, 1 dans la lèvre inférieure, et bien que ne dépassant pas les dimensions d'une pièce à 2 francs et ne pouvant en aucune façon être comparées aux hideux poteaux des vieilles femmes Sarah, ces disques dépassent leur visage. Point final à point d'averse. On commence la dictée. Dictée, les femmes Massa à la ligne. Ces femmes sont admirablement faites. Ces femmes sont admirablement faites. 2 points. Poitrine sculpturale, virgule, poitrine
culturelle, virgule, poitrine culturelle, virgule, épaule aux courbes très pures, virgule, longue jambe, virgule, longue jambe, virgule, aux fines chevilles, point virgule, et leur peau possède un éclat magnifique. Ces femmes sont admirablement faites de points. Poitrine sculpturale, virgule, épaule aux courbes très pures, virgule, longue jambe, virgule, aux fines chevilles, virgule, et leur peau possède un éclat magnifique. Ces femmes sont admirablement faites de points. Poitrine sculpturale, épaule aux courbes très pures, longue jambe, virgule, aux fines chevilles, point virgule, et leur peau possède un éclat magnifique que soulignent les multiples colliers et bracelets de verroterie jaune et rouge, point à la ligne. Mais la mode les contraint à s'introduire dans les lèvres des disques de bois ou de métal, de point. Mais la mode les contraint à s'introduire dans les lèvres des disques de bois ou de métal, de point. Trois dans la lèvre supérieure, un dans la lèvre inférieure, virgule, et virgule, rien que ne dépassant pas les dimensions d'une pièce de 2 francs et ne pouvant en aucune façon être comparées aux hideux plateaux, des vieilles femmes Sarah, virgule, ces disques déparent leur visage, point final.
5 disques départ. Leur visage. Dictée. Les femmes Massa. Ces femmes sont admirablement faites. 2 points. Poitrine sculpturale, virgule. Épaules aux courbes très pures, virgule. Longues jambes, virgule. Aux fines chevilles, point, virgule. Et leur peau possède un éclat magnifique que soulignent les multiples colliers et bracelets de verroterie jaune et rouge. Mais la mode les contraint à s'introduire dans les lèvres les disques de bois ou de métal, 2 points. 3 dans la lèvre supérieure, virgule. 1 dans la lèvre inférieure, virgule. Et, virgule, bien que ne dépassant pas les dimensions d'une pièce de 2 francs et ne pouvant en aucune façon être comparé aux hideux plateaux des vieilles femmes Sarah, virgule, ces disques départ leur visage. Point final. Sur l'une des copies que j'ai corrigé environ 5 copies. Et personne n'a moins de 10 fautes. Par exemple, celle que j'ai, la copie que j'ai en main, 15 fautes. Mais sur les 15 fautes, il y a des fautes qui sont assimilées que je n'ai pas comptées. Quand on dit aux fines cheville, tout cela, c'est au pluriel. La plupart des fautes, des fautes d'orthographe grammaticale et pour certains, des fautes d'orthographe d'usage. Il ne connaît pas le mot. Ou bien, c'est tout comme s'il n'entend pas bien. Il y a des copies où on a dicté un mot, vous avez écrit carrément un autre mot. Aucune. Est-ce que c'est difficile à écrire? Aucune. Aucune n'est pas difficile. Elle a écrit qu'une. Ça veut dire que c'est un enfant qui ne suit pas bien. Hein? Il ne suit pas bien. Je voudrais dire à mes chers enfants que la dictée est une discipline qui n'est pas trop difficile comme les gens le pensent. Il y a beaucoup de gens qui vous disent depuis la maison que la dictée est difficile. Ce n'est pas vrai. La dictée est une matière qu'on peut réussir comme toutes les autres. Bon. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, quelqu'un met ici, on dit une pièce de 2 francs. Il écrit 2 en chiffres. Quand on fait la dictée, est-ce qu'on écrit des chiffres ou bien on écrit des lettres? Qu'est-ce qu'on écrit? Oui. Bien, il faut écrire rien que des lettres. Donc, lui, il a écrit carrément 2. Le chiffre 2, ce n'est pas bon. Je voulais vous dire aussi que dans une dictée, dans les phrases, les mots sont liés entre eux. Les mots ne sont pas indépendants. Un mot est toujours lié à un autre dans la phrase. Mes enfants, il y a des mots que vous ne connaissez pas, vrai ou faux. Tout à l'heure, on a demandé à quelqu'un s'il a un dictionnaire. Même les grandes personnes, même le ministre, même votre maître, il y a des mots qu'il ne connaît pas. Mais comment il va faire pour les écrire convenablement? Il faut qu'il lise, il faut lire, il faut chercher, il faut fouiller les livres, tous les livres. Hein? Oh, votre livre de lecture, vous ne le lisez même pas. Lisez entièrement votre livre. Demandez à vos parents de vous acheter des livres pour enfants, des livres de contes. Il y en a. Et dans ces livres-là, non seulement vous allez apprendre de belles histoires, mais vous allez voir comment sont écrits les mots. Vous allez découvrir de nouveaux mots.
Quand vous voyez un mot en lisant, vous ne comprenez pas le mot, qu'est-ce qu'il faut faire? En lisant, je trouve un mot. On dit décortiquer. Je ne comprends pas ce mot. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, toi. Voilà, je vais fouiller le dictionnaire. C'est comme ça qu'on apprend, mes enfants. Vous avez compris? C'est de cette façon qu'on apprend. Et si vous voulez bien faire la dictée un jour, c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Ainsi se referme ce numéro de débat éducation. Prenez soin de vous et chers élèves, respectez les mesures barrières. Surtout, restez chez vous à la maison. Au revoir.